matin séance casuelle là fini dans chambre député a nous connait dérapé hier après-midi grand bonheur matin 53 députés voté en faveur Jovenel Moïse yo di ki sont innocents ki pa gen rien pour e, ak tout ça groupe député qui dans opposition tap reproché yo pa e nécessité pour mettre dans l'accusation gen 3 qui vont être contre à 5 qui fait abstention mais nous connaissons ça passer très loin de ça même constitution dit et pour ta rejeter initiative groupe député dans opposition faut que tu gagne 80 députés sans président qui pour ta voter et c'est ça yo même encore t'a brandi nous connaissons c'est un groupe 16 députés dans opposition qui t'a déposé document ça depuis plusieurs mois qui était sous bureau président chambre député pas jamais occupé de ça finalement bout pour bout en pile pression marchandage finalement yo t'ai vinn mettre à l'ordre du jour sous conseil plusieurs partisans pouvoir d'ailleurs c'est papa Tourné qui révélait ça Joseph Lambert il t'ai dit en chercher qui débaille ça parce que pas gain arithmétiquement donc c'est en pile monde qui lui cite t'ai t'en connaît arithmétiquement yo pas ouais pour qui ça député opposition te fait débaille ça bon gain monde qui jeune vertu tout côté qui croit que au moins ça gain vertu et pour système démocratique là première fois débat ça est arrivé fait est-ce que il arrivé fait vraiment et en plus de ça tout yo quoi gain des youn député qui dit c'est pour être capable ouais c'était qu'à sauver parlement parce qu'on qu'à sauver monde si lui-même n'y pas avlé pour sauver et en fait et côté que yo t'es tenté pour montrer crime haute trahison avec violation constitution et séance spéciale ça soumise en accusation qui t'a traîné chaque fois président chambre te mette en continuation depuis te gen n'importe prétexte il t'a choisi pour le mettre soit il te dit que pas gen sécurité ni devant ni derrière dans parlement chaque fois toujours joindre nous gens pour le mettre bon fois ça il t'a décidé pour aller jouer dans bout ouais pas ouais parce que il y a un véritable programme c'est demain vendredi hein avec premier ministre nommé hein. Donc de démarrer contrairement à ça était divers 11h mais 23h et demi comme ça. Donc séance en campé plusieurs fois dans route à cause député qui a supporté démarche non, il t'a exigé toute une série de pièces, il t'a demandé et bureau pas de jambe fourni pièces ça yo. Finalement bout pour bout t'a dit que yo rien yo mais c'est consultation sous place. Et puis t'a gain problème à faire combien de députés qui étaient présents, ça est le quorum non pour te commencer séance non. Et ça que constitution exige dans cas ça et qui c'est une majorité qualifiée qui c'est 80 députés sans que président chambre n'en parle donne et 2/3 et pendant président chambre n'en t'a demandé vérifier quorum et après ça il tourner dit qu'il y a 83 députés qui étaient présents nous connaît président chambre n'en tout est coupé un député la parole qui t'a révélé par population et t'a gagné machine et palais national qui t'a transporté député parce que pouvoir te quoi non séance hier et pour te sorti dans dossier ça président chambre député Gary Bodo dans intervention ni rappeler ça article 156 constitution et côté exigence bureau a gagné après tout débat consultation en assemblée faut que fini avec un vote Gary Bodo dit il pas satisfait façon débat que lui-même il a mené plusieurs fois a été déroulé dans dernière séance temps député Delma estimé député opposition yo et pas très convaincant d'ailleurs Gary Bodo pas même au courant président tête caléa te nommé et de juge corrompu dans système judiciaire alors que c'est lui-même qui te dit ça demander qui laisse a été fait dans une séance député Delma estimé député opposition pas convaincu yo dans argumentation yo li quoi gen matière pour te mettre et pour te faire au quoi que gain matière pour mettre président en accusation c'est justification selon député Delma qui s'est allié et pouvoir allié président nous connaît sauver dans plusieurs occasions par exemple mettre premier ministre Jean-Yves Atté c'est une rare fois tout député était presque était là grand bonheur matin et d'après ça dit nous non société démocratique n'a cité c'est la loi qui boussole tout le monde. Et là, on a compté combien de lois manquaient pour le Parlement ça fonctionner. D'ailleurs, il y a une loi d'application soumise en accusation.
Garibodo annoncé demande mise en accusation contre président tombé dans chambre député donc dossier fermé et député opposition yo te gitan quitté salle séance non avant vote ça casuel là t'est fait n'attendel qui t'est parlé comme ça dans micro Villeneuve Joseph. Je ne suis pas satisfait parce que je ne sais pas comment ça me déplie de dérouler. Parce que il y a des arguments, moi, il y a des actes de mise en accusation. Mais ouais, peut-être que tu as de bonnes raisons pour mettre le président. Je vais demander la parole après, Paul. Merci. Comme président de séance, je ne vais pas rentrer dans le débat. Donc, mais si je suis dans la salle comme député, moi, ouais, tu as de bonnes raisons pour mettre le président en accusation. Donc, malheureusement, que les collègues, pas chita pour faire débat conformément à la loi, conformément au règlement intérieur. Donc au niveau du bureau de la Chambre des députés, à l'ouverture de la séance, le règlement intérieur, clé article 156, là, dit pour un député qui était salle là, faut que c'est pour de bonnes raisons. Malheureusement que débat, député n'a pas arrêté pour faire débat. Donc malheureusement, c'est pour ça que la séance est finie. C'est très malheureux. Peut-être que demain, je vais ouvrir un dialogue avec les députés de l'opposition pour que la Chambre continue à fonctionner. Mais moi-même, comme député que tu as regardé, là, c'est habituel, je suis pas député. Si je voulais participer dans le débat, je vais prendre place dans ces instants. C'est que je pas de café. Donc, je pense que c'est la fin de l'histoire. Donc, débat fait, et conformément à la loi, conformément au règlement intérieur, et nous trancher. Plon, ordre du jour fin adopté. Donc, il faut que l'épuisé. Et nous arrivons dans le point 600, nous, qui débat fait, jusqu'à ce que nous arrivions à trancher et nous pas trancher. Pour nous, c'est sur la proposition de plusieurs députés. Donc, conformément au règlement intérieur, de pour finir de débattre sur une proposition ou supposer trancher. Donc, ceci a été fait et nous, l'Assemblée a tranché. L'Assemblée est souveraine. Donc, le bureau a permis que l'Assemblée a tranché. C'est bien malheureux que les députés accusateurs n'ont pas de joindre 80 députés, 81 députés pour mettre chef de l'État en accusation. Même si je pensais. Comme député, je ne vais pas parler comme président, il faut me prendre distance. Parce que débat, c'est un petit genre. Chatouillé, je vais vivre dans le débat parce que je me dis, oui, il y a un côté député qui a attaqué. Bon, je préfère faire l'autre choix. D'accord, est-ce que c'est une certification toujours qu'un pour demain vendredi? Bon, normalement, nous faisons quitter là, gagner ça aurait les circonstances atteignantes pour elle n'a pas quitté là. Donc, un peu plus tard, nous connaissons ce qu'on a fait. Mais toutefois, nous faisons convocation toujours qu'un. Voilà, habite ça, tout le monde doit être penché rapide. Habite, y'aurait des gars, il qui t'a parlé comme ça. Bon, mon chanteur Tobigana qui a passé dans tête. Là, il est pour content, il est fâché. Parce que lui dit qu'il n'est pas content, alors que tout le monde connaît le content. Et puis, Palais National, salué, vote ça. C'est bravo. À demain, et chambre député à faire pour Kembe Jovenel Moïse dans place ni. Et vous et jeté. Question à faire de mettre en accusation ça. Et c'est ça, youn nan conseiller président, ancien député Jules Charles Faustin, et déclaré dans micro nous, il dit de toute façon, député qui t'a pas accusé président, il n'y a pas arrivé prouver rien. Il n'y a pas de gagner dans le pour t'a prouvé que président ça, j'en ai travaillé là dans tête pays, t'a trahi peuple, t'a trahi nation. Dans l'interview de Radio Kiskeya, ancien député a réaffirmé, n'a pas cité volonté président n'a pas servi. Qui voulait pour faire, n'a pas cité toujours dialogue avec toute petite terre pour qu'à retirer pays à peuple dans situation difficile, la vive journée jeudi. Concernant la décision, sénateur Lambert, qui dit que le quitte bateau, Jovenel Moïse, donc à prendre l'eau, et conseiller président déclaré, c'est regrettant pour sénateur fâché d'après avoir, il a fait l'assassin avec un poste premier ministre. Li précisé dans une machine, gen moun kap monte, gen moun kap descend. Camion pas, Jovenel Moïse, la kap fait la madel, la ramasse moun. N'ap tande. Au début, initiative, ça fait 14 députés, et la présidence nous te dit nous te calme, nous te serein, puisque ça a rentré, et n'a dit d'emblée, dans même démarche, ensemble de moun, au niveau de société a gagné, pour capoter président Jovenel Moïse au pouvoir. Donc, initiative là où il n'y a pas de résultat. Donc, maintenant, il y a côté au niveau institution, et particulièrement au niveau de l'Assemblée des députés. Et là encore, nous voyons que tout tollé que les députés ont fait à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, et bien, et même cette. Nous voyons que contre les députés majoritaires,
et faire peuple a dit qu'on adresse yo etc etc et ben nous voyons que majorité a il pas changé position par rapport à Bimassa et que hier soir nous voyons finalement dossier li fermé et côté sur les députés yo dans séance marathon que fait hier soir et ben gagné un ensemble de députés 53 qui rejeté demande de mise en accusation et gagné 3 députés qui est voté pour demande de mise en accusation et gagné 5 autres députés qui fait abstention. Donc il est clair que monsieur et minorité yo qui tient le peuple en haleine avec dossier ça yo malheureusement il va même arriver et nous a dit discuter faire débat sur ensemble de points que yo dans et faire écrire de votre trahison yo donc plutôt t'a chercher et ça pas droit pour yo retirer comme dans salle là malheureusement yo oublié si tu gagné l'article 156 de la chambre des députés l'on te répond dans le registre appel là ou présent jusqu'à ce que vous faites une motion pour raison qui sont obligés de faire là. Donc ça n'a pas été fait. Donc 83 députés qui étaient à l'origine de séance là et sur cette base que vote là est fait à 4h30 du matin. Et maintenant, c'est un sujet clos. Maintenant, on va passer à autre chose. Est-ce que nous considérons ça comme une victoire pour le président Jovenel Moïse? Est-ce que le chef d'État est capable de diriger un pays depuis quelque temps là qui est bloqué? Bon, écoutez, le président Jovenel Moïse, depuis qu'il est sous pouvoir, il va venir gourmer avec personne. Mais bon, ensemble de secteurs, il y a gourmer avec le président. Donc, le président, il n'est pas jamais à l'attaque, il est toujours à la défensive. Et je vous dis, nous voyons que et toute démarche, tentative qui fait pour que vous capotez, nous n'avons pas de résultat. Et le président, il y a une approche que le président toujours Kembe, et c'est lui-même qui a continué Kembe, qui a approche haïtien, et pour que nous soyons capables de joindre et on sortit heureuse de la crise que le pays a connu depuis un certain temps. Et comme ça, haïtien avec haïtien, nous, Kachita, nous gardons l'autre danger pour que nous posions vrais problèmes, pour nous sortir sous problèmes d'Akadi qui n'est pas problème fondamental, pour que nous soyons capables, j'en sais que l'autre pays qui fait, adresser ces problèmes à eux, jouer comment nous-mêmes nous pouvons résoudre. La politique est dynamique. La politique n'est pas statique. Donc, elle n'est pas mathématique, elle est science, mais elle n'est pas mathématique. Côté résultat ou qu'on est à l'avant. Donc, ça capable d'arriver. Donc, les gens ont un camion qui sortit à destination pour aller dans le lieu, eh bien, c'est certain qu'il y a un camion qui a monté, qu'il y a un descend de camion. Donc, nous sommes capables de dire qu'au niveau de national, collaboration qui existe surtout avec le sénateur Joseph Lambert, c'est toujours une bonne collaboration. Et que malheureusement, donc, le sénateur a qui gagne souvelé au mandat du sénateur que le peuple sud-est est bali. Donc, il vient accrocher son question de premier ministre et qui vient faire que le sénateur a gagné un ensemble de situations qui fait que lui-même, lui, Ndakadou, lui a adopté une nouvelle position. Jude Charles Faustin, un conseiller Jovenel Moïse, non micro, Ketia Jean-Pierre Taylor. Directeur exécutif NDDH, M. Pierre Issoyens, révélé dans l'interview de Radio Kiskeya, un plan cap moutonné pour faire chef gang village de Dieu, Arnel J. D. Joseph, et sauvé dans prison. Dans une interview de Radio Kiskeya, jeudi, et directeur exécutif NDDH, rappelé ses habitudes, équipe régime ça, toujours à faire bandit, cap travail pour eux, chapé dans prison. Sans le pas parler de qui quantité l'argent, chef gang village de Dieu avec machin de Saline, non, t'as demandé pour le capable de mettre plan nan en application, selon M. Espérance, qui t'a répondu à une question Vladimir Maurice Kidoué. Depuis Anel en bas main la police avec la justice, yo te prani lundi 22 juillet 2019, le 23 juillet, li opéré dans l'hôpital, dans la capitale là, et puis le 24 juillet, il a transféré lui dans le CPJ sous l'ordre paquet Port-au-Prince. 16 août, il a voué dans
yon nan prison ki nan département l'Ouest la. C'est normal parce que li pa ta kapab fè tout temps ça nan garde à vue. Jodi a la Anel reprend contact avec gang yo et li gen contact avec moun ki te kon collaboré avec li. Moun ki te kon travaille pou li. De gros autorités nan l'état et nan parlement et nan secteur privé. Anel pendant li nan prison côté li a, li gen accès avec téléphone kounye la et li mande moun ki li gen contact avec li ou kòb ou montant m pa di l kounye la, m'a di l pita pour li capable quitter prison. Nous connaît prison dans la capitale là ou bien dans pays là toujours grand pile problème. Moun ki gen contact avec qui entre dans prison qui gen contact avec gros autorité, eh ben yo ouvri porte prison pour yo. Yo mette yo deyo. Donc après exemple, la police te fin demande yon nan pi gros gang ki gen an dan peyi a, gang e brant la, eh ben, gen un jour, se ouvri yo ouvri porte prison an, pendant week-end, on dimanche, yo mette brant e deyo. Donc c'est ça que fait, nous dit, ça crive la jodia, c'est pas une simple négligence, c'est avec complicité autorité yo. Parce que privilège sa anel gen jodia kote lié nan prison an, li pat gen l'el te sous contrôle de se PJ, elle était dans l'hôpital là. Nous demandons au commissaire gouvernement pour lui l'ouvrir une enquête et pour identifier tout le monde qui a surveillé Anel, qui est en connivence avec Anel, pour sanctionner. Gang ça, son gang qui est puissant en pile. Nous connaissons qui quantité de gars gang a fait en dans pays là, li inacceptable. Nous dénoncer bagay ça, les nouvelles autorités pas bay importance avec la vie monde. Donc c'est gang qui a renforcé en dans pays là et nous même j'en ai dit depuis jour yo prend Anel là pour arriver journée jodi a n'a continuer suivre Anel n'a continuer suivre et dossier ça et c'est ça que fait déjà parler avec autorité au plus haut niveau dans la police là nous parler avec des responsables dans parquet et nous demander pour yo agir vite nous pas capable tolérer bagay ça parce que nous connaît Anel te gen gros relation avec des gros parlementaires li gen relation avec ancien président li gen relation avec des moun nan exécutif là li gen relation avec moun nan gouvernement et li gen relation tout avec moun nan secteur privé li te kon travail pour yo c'est eux même qui t'a assuré déplacement ni l'el a sorti la Tibonite pour aller dans l'autre zone donc nous dit ça pas prêté comme ça la police là comme à peine à dépendre la police nous mandé la police là pour corriger situation ça parce que toujours gain évasion qu'a fait dans prison mais pourquoi jamais gain procès moun qui impliqué dans évasion ça donc nous dit ça a pas passé qui ça expliquer que dans niveau Anel était très recherché comme criminel notoire jodia li arrêté sorti de CPJ pour pas dans une cellule qui hautement sécurisée comment t'as accès avec téléphone portable côté téléphone dans entrée cellule Anel c'est pas comme quoi son cellule qui livre à eux-mêmes et qui passe sous contrôle autorité à pénale oui ils sont contrôle autorité à pénale qu'on y a c'est pour identifier avec qui monde le facile pour joindre ça avec qui monde Anel parler qui monde qui te bail Anel et téléphone et pour sanctionner et c'est ça que nous dit faut qu'on enquête qui l'ouvre dans sens ça c'est depuis le ouel dans une prison dans département l'ouest là li vient gain accès avec même gang li vient gain accès avec des autres monde qui qu'on a travaillé pour yo. Est-ce que la facile pour l'autorité judiciaire arrivé tant Anel Joseph dans cadre d'instruction ou bien un procès devant et la justice n'a pas de justice Port-au-Prince et même gang ça continue à terroriser continue à faire la loi est-ce que la facile puisque dans moment on a parlé là même gain une gros détonation sous bicentenaire là. Non qu'on est pas facile, nous qu'on est extrêmement difficile, nous qu'on la justice a joué un rôle extrêmement important dans kembe impunité, insécurité avec corruption en dans pays là. Nous reconnaît tout la police là li limité, li livré à eux-mêmes, policiers vivent insécurité à même avec nous. Anel fait prison déjà 2010, 2011 jusqu'à 2017 et pendant tout le temps ça a été fait en prison, il pas jamais jugé. Donc c'est un évadé et au compte qui mon qu'il au lieu que autorité prend disposition pour yo mettre sous gros contrôle pour pas gain contact avec des monde que l'idée qu'on a collaboré avec eux et c'est ça nous fait journée jodia et c'est ça que nous dénoncer ça. Voilà, directeur exécutif NDDH, là, monsieur Pierre Espérance, qui fait révélation, ça, plan qu'a préparé pour faire Anel J. Joseph et sauver nan prison. Il a parlé dans micro Vladimir Maurice Ridoué. N'a fond premier campé. Tout le monde connaît comme il faut. Toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre un journal 4 heures, on a présenté depuis studio
Bertrand Pierre. Nous m'avons salué tout internaute qui a pu se voir sur www.radiokiskeya.com, quel que l'on soit à côté. Nous avons salué tout ça et tout qui a pu se voir sur plateforme. Il y aurait des intelligents. Il faut que nous disions à peine 15 minutes, un président chambre député à Garibodo fait que ce fait un tweet. Nous connaissons une période tweetocratie. Et côté du fait qu'on a dit reporter sinédié, ça veut dire qu'il prend décision ça et tout à l'heure là pour séance et déclaration politique générale, premier ministre nommé, pas fait demain. Et na retourné sur ça, s'il y a plus de détails, c'est décision président chambre député a prend. Et semble t'a fait des déclarations tout concernant séance. Hier soir, nous avons un document pour nous recevoir tout à l'heure. Et ces positions députés dans l'opposition qui dénonçaient séance qui fait dans casuellement qui est illégal d'après ça vous fait connaître. Mais pour qu'on y là, on a fait premier coup de pied dans l'actualité internationale là, cap mené dans pays États-Unis, nouveau ministre de défense américain qui donc un patron Pentagone là, Max Esper, et confirmé Hamza Ben Laden. Et petit garçon Oussama Ben Laden non, il était présenté comme héritier dans tête Al-Qaïda, li mouri et c'est dans finis pour mois juillet, médias américains ont rapporté information ça gouvernement américain pour quoi confirmer. Là il t'a posé la question sur la mort Hamza Ben Laden pendant une interview t'a bay chaîne télévision américaine Fox News et hier espère nouveau ministre défense américain pas voulait bay détail concernant qui j'ai opération témené et côté petit garçon Ben Laden n'a perdu la ville. Moi pas gain détail et même si m'te gain tout m'pa certain que m'ta capable partager avec ou c'est ça le répond journaliste non et nouveau patron Pentagone non et qui rivé dans finissement mois juillet dans tête ministère défense américain. Les journalistes ont demandé est-ce que monsieur Mouri et bien responsable répond c'est ça que me comprendre. Média américain ont annoncé dans finissement mois juillet que Hamza Ben Laden, petit garçon Ben Laden non, t'es perdu la vie et États-Unis t'es contribué dans opération pour éliminer monsieur physiquement mais la mort pas jamais confirmé publiquement ni officiellement. Il était considéré comme petit garçon Ben Laden t'es pyrémé, petit préféré même tout comme successeur lui que t'es désigné Oussama Ben Laden en tête réseau Al-Qaïda nous connaît qui fait États-Unis mal en pile qui t'es frappé 11 septembre 2001 et génome ça qui était dans trentaine ni t'es figuré sous liste l'ennemi numéro 1 pays États-Unis il était accusé comme terroriste et Washington t'est arrivé offrir jusqu'à 1 million de dollars et by n'importe monde qui bail information pour mettre main sur monsieur pour être éliminé 1 million de dollars ça fait pile monde bouger. Hamza Ben Laden et yo te considéré comme prince héritier d'Iad là et selon divers documents et avec des lettres et AFP te joine et dans mois de mai 2015 qui montrait Oussama Ben Laden te nommé monsieur pour remplacer si zo kapaka puis il t'échappé et c'est ça qui est arrivé dans tête Jihad mondial anti occidental là selon information presse occidentale là et Hamza Ben Laden c'est 15e petit Oussama Ben Laden qui était très prolifique. Monsieur Mouri qui était 20 petites pour plus petit. Monsieur c'est 15e et petite li, li fait avec 3e madame ni Hamza Ben Laden et gouvernement Arabie Saoudite là t'est retiré nationalité même j'ai retiré nationalité papale et Ben Laden yo c'est saoudien oui. N'a pas vini la caille pa nous direction deuxième ville payant. Te gon rassemblement initiative patriote marien IPAM était fait dans nord paysan c'était hier plusieurs organisations sociaux ak politiques dans département nord ak nord-est chita ayen nan limonade et pour discuter sur situation politique là nan rencontre ça te gagnen ancien gouverneur banque centrale là et Fritz Jean mais tout ancien premier ministre Jacques-Édouard Alexis te sorti Port-au-Prince et professeur Antoine Augustin qui est sorti Port-au-Prince, sociologue Anthony Barbier, ancien député Hugues Célestin qui est présent. Objectif rencontre ça, c'est pour remettre campé mouvement pour mobilisation capotée Jovenel Moïse sous pouvoir et puis faire une synthèse concernant diverses propositions plusieurs organisations déjà fait pour retirer pays en crise.
et d'après ça ancien sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, une dirigeant IPAM nan, qui c'est Initiative Patriote Marien et déclaré dans interview li bay et correspondant nous nan Gérard Maxime. Aujourd'hui, nous avons gagné des représentants qui sont dans plusieurs départements dans le pays, des plusieurs autres organisations qui ne sont pas dans l'IPAM, mais qui décident de supporter la bataille que nous avons menée. Parce que pour la bataille menée, c'est seulement dans tête ensemble, dans l'unité, un groupe qui peut résoudre le problème dans l'IPAM pour contre l'IPAM. Nous invitons d'autres organisations de la politique haïtienne pour nous demander pour que nous. Mettez-moi ensemble avec nous. C'est des organisations, nous avons gagné Racine Grand Peuple là, tu as gagné secteur démocratique et populaire, tu as gagné l'université Kiskeya, tu as gagné le groupe Nous Pas Dormi, tu as gagné un paquet d'organisations qui te viennent mettre ensemble avec nous. Parce que date ça, son date charnière dans l'histoire du pays. Peuple haïtien supposé Kembel, parce que c'est bataille esclavio qui te chassé Koloyo. Et je dis à nous, bot mes limonades, nous venons chasser. Nouveau colonio qui prend pays en otage depuis près de 230 ans. Ce n'est pas une bataille. Petit, c'est une unité pour nous atteindre l'objectif que nous avons. IPAM constitue un outil pour gommer condamnation et exclusion. C'est un outil pour défendre les intérêts de la région du Marien et défendre les intérêts des haïtiens de manière générale. C'est une bataille que nous avons. Bataille lancée aujourd'hui, nous demandons. Quatre coins pays, toute organisation, tout le monde qui croit que faut nous goûter pour nous retirer pays, dans sa lieu aujourd'hui, pour nous faire une seule force pour nous déchouquer le système, non, et spécialement déchouquer Jovenel Moïse à travers la mobilisation populaire pour permettre que peuple haïtien l'Iralé en souffle pour nous établir un autre système à travers la conférence nationale souveraine qui prend le fait dans le pays, à côté tout le monde a bien droit, la parole, yo a compté, ce n'est pas 2% de monde qui a bien contrôlé tout le bagage dans le pays. Sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, Marien, c'est pour un hommage à un groupe de Première Nation qui a gagné sous Tessa. Et professeur Antoine Augustin, et sociologue Anthony Barbier, qui a participé dans la rencontre ça, saluer l'initiative et ça qui prend en Grand Nord et l'initiative Patriote Marien et qui a rassemblé divers groupes et Cap-Goumen pour changer la situation dans le pays d'Haïti et pour le pays en l'autre direction. Professeur Antoine Augustin et professeur Barbier demandé tout le monde mettre force ensemble dans quatre batailles ça et pour organiser une transition. Et puis, il faut que le procès Petro-Caribé arrive fait. Plus de détails, toujours dans le micro correspondant dans le Nord, Gérard Maxime. Parlez de participation dans le compte aujourd'hui, dans l'Assemblée. Bon, d'abord, c'est une belle initiative. C'est une initiative régionale qui visait à mettre ensemble, au niveau des départements du Nord et du Nord-Est, tout le monde qui a goûté pour un changement. Changement de système, changement de gouvernance qu'il a. Donc, nous avons fondé là. Deuxièmement, l'important parce que date là, les fêtes dans le contexte commémoration et soulèvement général esclavio et nos pères captifs qui étaient faits dans la nuit du 21 et au cours de la nuit des 21 et 22 août 1791. Donc, c'est son bail important pour nous dire là parce que gros problème de mémoire, tout, nous oublions côté de sortir, nous par contre côté de parler. Donc, l'important pour nous, ressourcer tête nous, pour nous payer en l'autre direction. L'Assemblée a fait ça que nous demandons. Qu'est-ce que ça demandait? Nous demandons que tout le monde mette ensemble pour nous faire quatre bagailles fondamentales. Un, départ Jovenel, organiser une transition, réaliser un dialogue pour et faire pour ces Petro-Caribéa, dialogue pour la conférence nationale souveraine. Et voilà, c'est deux participants, sociologue Anthony Barbier et l'autre sociologue Antoine Augustin. Et tout le monde est dans le micro et correspondant nous dans le Nord, Gérard Maxino. Nous avons quitté Grand Nord pour nous venir dans le centre avocat dans le barreau. Un show continue et Kembe porte parquet tribunal civil en fermé pour exiger démission commissaire gouvernement Serge Desrameaux qui d'après ça yo dit pas gain compétence pour diriger parquet et un mouvement qui bloquait fonctionnement parquet et qui pas capable mettre qui pas capable faire aucune activité et d'après et ça correspondant nous dans au plateau Ronel Odat fait nous connaître.
Activité toujours paralysée dans le palais de justice Inchla depuis lundi, privé jeudi, jeudi. Hein. Paquet, un tribunal, première instance là, dysfonctionnel à cause mouvement levé campé, avocat Mambaro Inchla pour l'échelle Barry derrière commissaire gouvernement, maître Serge Desrameaux. Et mercredi, le ministère de la Justice a dépêché en deuxième commission pour rencontrer avec avocat protestataire. Situation toujours difficile puisque départ chef paquet, hein, ses principales revendications avocat. Pour qu'on y a là, mouvement levé campé, avocat paralysé complètement fonctionnement par la justice là. Moun paquet n'a pas gagné possibilité pour décerner mandat contre personne, soit moun qui a fait mauvais effet, violer la loi, alors que personne pas connaît qui joue ni qui date pour les stations à point fin. Commissaire Serge Desrameaux qui t'a intervenu lundi soir sur une station radio dans Inch déclaré li pa fait bac puisque selon ça dit quelques grand avocat nan baoua avec l'autre avocat qui sorti dans l'autre juridiction qui vient faire des autres dans paquet. Cependant Fok nous dit commissaire Serge Desrameaux déjà passé 3 jours côté pas capable prendre aucune décision pour reprise activité yo dans paquet. Avocat nan baro Inch a proclamé départ Serge Desrameaux pour incompétence à corruption, parole que maître Serge Desrameaux toujours démenti. Au plateau central, Ronel Odat, Radio Kiskeya. N'a pas changé département de direction sud-est en plateforme syndicat enseignant dans Jacques Mel annoncé y a organisé une journée chita pour brasser l'idée ensemble lundi qu'a venir là sous divers problèmes professeur a fait face dans système éducatif haïtien. Et puis pour parler tout sous divers mouvements, il y a gain pour faire dans jour qui a venir là yo pour faire tant de voix yo. Plateforme nan menacé bloquer ouverture l'école là qui fixé pour date 9 septembre qui a venir là si ministère éducation nationale pas répondre par rapport à revendication yo gagnent devant ministère déjà. Je dis mon autre pour plus de détails. Plateforme syndicat enseignant, c'est des sûr qu'on a réalisé journée de travail lundi 26 août 2019 dans le centre polyvalent du Saint-Germain. Là, ce problème enseignant a fait face à un système éducatif haïtien. Dans l'occasion de journée de travail, c'est là, enseignant a bien pour réfléchir sur la situation en condition de vie dans le département et puis investir béton pacifiquement pour faire tendre ensemble revendications selon déclaration responsable communication plateforme syndicat enseignant, Raymond Mécène. Dans l'autre bord, plateforme enseignant, c'est des dit, si toutefois, ministère de l'Éducation nationale, par arriver tant de voix, ils ont menacé paralyser ouverture prochaine année scolaire. Depuis Jacmel, j'ai dit mon osé. Qu'est-ce qu'il y a? Merci de nous parler dans le Sud, organisation Voix démocratique, Sud DDS, dit ses proches pouvoirs tête caléa, qui c'est une organisation proche pouvoir tête caléa, dénonce misère à grand goût qui a fini avec la population. Et plus de détails à correspondant nous, Jean Senosé d'Esprit. C'est devant presse locale là, dans une conférence au bail, dirigeant organisation ça qui se proche parti haïtien tête calée PHTK, choisi critiquer fonctionnement équipe qui sous pouvoir. Dirigeant Voix démocratique Sud VDS, cité en pile point pour montrer pouvoir qu'il a, pas gain rien à faire vrai, pour capable soulager souffrance, misère, malheur et malheureuse ici dans le pays d'Haïti. Ronald Menelas, c'est porte-parole Voix démocratique Sud. Nous pas contre qui est qui a fait qui ça. Côté pays a pas dirigé par personne. Yo avili pays a. Yo avili tout haïtien dans le monde entier. Gardez ça qui s'est passé dans Cathédrale au Kaela. Le 15 août, je fête Notre-Dame. N'a demandé est-ce que pas gain autorité dans le département? Est-ce que gain délégué dans le département? Est-ce que gain chef la police? Est-ce que gain magistrat? Est-ce qu'il y a des vice-délégués? Est-ce qu'il y a des parlementaires? Est-ce qu'il y a des commissaires gouvernement? Si il existait, qui rôle yo? N'a fini pour nous dire, président Jovenel Moïse, que nous débat le pouvoir pour lui mettre l'argent dans la poche nous. Manger dans l'assiette nous. Pour lui mettre l'argent dans la poche nous. Manger dans l'assiette nous. Assiette yo fin crasé. Assiette yo fin crasé. Nous ne pouvons jamais jouer manger. Tant pris, remettre-nous assiette nous, n'a débrouillé. N'a dit clair, nous pas virer deux bay président Jovenel Moïse. Mais pas oublier que dans misère que population est là, parce que quel que soit haïtien faut conscient pays a pas diriger. C'est organisation des masses n'a pas rappelé qui pas dire raté une occasion dans mois passé yo pour être capable porter soutien bay équipe en place là. Jean Senosé d'Esprit pour Radio Kiskeya, ville Okaï. Merci, n'a entré dans la capitale là. D'abord, et pour nous parler de notre pour la presse, fusion sorti pour un hommage à Youmamni, un professeur, un inspecteur ministère de l'Éducation nationale. Nous connaissons perdu la ville dans la capitale là, dans le commencement du mois d'août. Parti Fusion Social Démocrate Haïtien, fait population en général connaît
et militants parti en particulier, ça avec un pile la peine et un pile saisissement. Yo te apprendre la mort brutale sans attendre et camarade yo et jeunesse la grandeur qui tombait en bas balle assassin jour qui était 7 d'août qui s'est passé là. Patien voyez condoléances et sympathie by famille militant politique là toute proche li et tout monde que deuil ça affligé et d'après ça Patien précisé il dit c'est un perte je regrette en pile. C'était un militant conséquent et qui était à défendre parti fusion et qui était porté couleur parti en dernière élection son coup fatal et fusion prend mais nous pas décourager pour ça d'après ça Patien précisé. Et la mort et sans attendre ça que qui rivait et qui parti à camarade noir démontrer nous l'autre fois encore machine infernale insécurité à cap sine deuil dans mitan famille dans pays d'Haïti et pourquoi gagner rien qui capable bloquer et machine infernale ça pas épargner personne monde et li mettait tout ni journée jodi à incapacité moun ki a dirigé pays an pou yo asume responsabilité yo nan sa ki konsene protection la vie et concitoyen nou toujou fusion k ap pale. Devant situation sa, nou oblige constater jounen jodi a population lagé deux bras balancé. Li pa gen anken moun ki a protégé l. Et gen pile zone et nou konnen et se chaque jour pi plus gen plus zone k ap tombe en bas contrôle gang yo qui a fait ça yo pipito, y a acheté pays a pratiquement l'argent comptant. Trafic zam illégal a fait lit ensemble avec munitions pour gang ça yo capable joindre moyen pour vider moun à terre. Gen des personnalités qui proche pouvoir exécutif là qui impliqué et gen certains parlementaires tout nan trafic ça et côté nous l'autre autorité yo, l'autre pouvoir public yo semblé yo même yo été bras croisés. Et de quoi pour ban nous qu'est sauter nous même honnêtes citoyens qui a vivent dans pays ça fusion qui a parlé toujours profiter de situation terrible ça et pour li redit peuple haïtien encore destin c'est nan men lié li pas ka compter sou personne moun si li même ni pas ramasser destin et parce que pas gen l'état ça li fait faillite et li doit peuple haïtien engager de façon totale capitale nan bataille pour un vrai changement et nan dans ça qui concerne système sociaux politique et économique en pays et pour nous capable changer cap et c'est nous-mêmes peuple haïtien qui doit montrer que par exemple l'en gon bulletin nan men pour nous connait pour qui est-ce nous pral laguer faut que nous pas montrer nous tilologe faut que nous gagne capacité pour nous analyser situation l'occasion va présenter devant pour nous mettre l'autre dirigeant dans tête paysan femme ou garçon qui capable lever tout défi ça yo journée jodi a n'a fait face fusion dit sacrifice militant n'en faire li pas doit passer pour grand messi ni engagement que le te gagné li doit tourner une source inspiration et pour tout l'autre militant femme ou garçon patient nous espérer pour l'autre génération qui a monté à tout non patien et nanon tout l'autre camarade et qui allait trois bonheur qui pas gain temps ouais tout investissement yo te fait dans la vie dans combat ça y a mené pour changer pays hein et bien nous engager nous prend engagement pour continuer bataille ça pour l'idéal et qui concerne valeur démocratie social démocratie en représenter en Haïti capable remporter la victoire. Parti Fusion Social Démocrate Haïtien yo en deuil et enterrement militant politique ça inspecteur principal jeunesse la grandeur a chanté jou qui va 25 d'août là dans Pointe à Raquette Lagonave l'a chanté dans l'église adventiste du reste des chrétiens d'Haïti de fond des nègres c'est consacré de l'église non à 9h dans matin parti en renouvelé sincère condoléances li by toute en famille et toute proche jeunesse la grandeur. Camarades, nous pas jamais oublier. C'est Edmond Supplice Bozil, présidente et parti Fusion Social Démocrate Haïtien qui signe note condoléances. Faut que nous dit ministère éducation nationale te paraît déjà une note dans même sens non puisque c'était un inspecteur ministère éducation nationale qui t'a voyagé Port-au-Prince qui t'a perdu la ville dans zone la Lyon
les que de nèg exam te attaqué yon cambis bilan te gen au moins 3 moun qui te mouri jou ça te gen yon sécurité qui t'a passé et qui te essayé défendre cambis yo et yo t'a attaqué qui te perdu la vie ou tout et moun la gonav te déjà mobilisé pour rendre inspecteur ça hommage selon et correspondant nous qui te parlé nous de ça c'est un deuil qui afflige population la Gonâve là et nous compatis à quand tout le monde deuil ça a frappé et il entre dans liste pile à paquet de monde cap victime de zak insécurité et nous connaît pas rien qui fait et défenseur droit monde Pierre Espérance fait saute révélé dans micro nous tout à l'heure gouvernement tête calé a préparé pour la guerre Arnel J pour Joseph nous connaît soi-disant qui fermé dans prison qui c'est chef d'une gang qui tout puissant dans pays a et qui a assassiné impunément population nous connait valeur monde qui mouri déjà dans Matissan sans que gouvernement pas jamais paraît une note condoléance toujours n'a pas continué journal là concernant insécurité a faut que nous dit magistrat Kafouan Jude Edouard Pierre dans conférence pour la presse je dis a critiquer autorité yo. D'après avoir, yo a coulé communion qui directement impacté en bas climat insécurité ça qui a frappé zone ça nous connaît qui menait dans moitié pays a n'a parlé de Matissan. Il dit pas fait rien en quelle intervention sérieux pour traiter problème insécurité ça qui blaye dans zone bicentenaire avec Matissan et qui gagne impact directement sur communion et à tout reste pays a et en allant dans grand sud sud-est et l'Atrier. Donc conférence pour la presse jeudi à dans mairie et Kafouan et premier citoyen commune fait qu'on ait factory dans commune qui annoncé y a fermé porte à cause insécurité qui empêchait compagnie transport et river faire livraison pour matière première pour compagnie ça qui travaille. Il a annoncé tout gagne un groupe citoyen dans commune et qui pral gain pour faire sit-in jour qui a 29 d'août qui a venir là devant Marine haïtienne nan pour lever campé contre phénomène insécurité ça qui a enterré pays d'Haïti. N'a tande magistrat Kafoua Jude Edouard Pierre dans conférence pour la presse à côté Robinson Henri était présent pour Radio Kiskeya. Nous voulons associer voix à voir tout le monde Kafou matin, à voir tout le monde dans grand sud, dans quatre départements grand sud, une partie de l'ouest et Kafou en particulier pour me poser question ça à autorité yo sur Port-au-Prince. Sous Matissan dans pays. Est-ce qu'il y a tant pour tout le monde qui a fait mourir sous Matissan avant une proposition ferme pour régler le problème ça sous bicentenaire? Nous recevons plusieurs correspondances d'entreprises Carrefour qui annoncent qu'ils vont faire dépôt de bilan, ils vont procéder à fermeture potio parce que y a une possibilité, y a une incapacité pour approvisionner en matière première, pour continuer à fonctionner. Parce que chaque conteneur, chaque camion, chaque convoi, capoté matière première pour eux, le saisir, et je dis à par une compagnie de transport qui accepte de faire livraison sous Carrefour pour alimenter, approvisionner entreprise Carrefour. Nous imaginons factory Carrefour depuis 6000 personnes qui fonctionnent là-dedans, comme tu as là et que factory ça a une capacité pour jouer matière première pour le travail. Vous imaginez, d'un coup, 6 000 personnes dans le chômage, dans le Carrefour, malgré qu'ils sont mal touchés, malgré le traitement, ils pas bon pour eux, mais c'est avec eux vivent. Et silence de la part des autorités du pouvoir central, nous voulons secouer, nous voulons demander, est-ce que vous pas senti que vous avez une responsabilité là-dedans? Est-ce que vous pensez que vous êtes à l'aise comme ça? Est-ce que gestion, l'État, gouvernance, un pays qui a fait comme ça? Est-ce que la CAIO, le Chita a réfléchi, a attendu comment le monde qui a traversé Matissan, soit qui a venu café, soit qui a parlé de l'autre côté, a tombé? Et si c'était petit, yo? Et si c'était madame, yo? Et si c'était famille, yo? Est-ce que c'est ça attendre avant de réagir? La rentrée de guerre que vous êtes Matissan sous café, c'est une véritable menace pour survivre le monde café. Est-ce que tout le monde qui a fouillé n'a pas le droit pour y aller à l'école encore à partir de ce qui a passé sur Matissan? Comment une famille peut prendre un petit clip pour aller à l'école, la ville là? Est-ce que nous avons accepté ça comme magistrat, ni moi-même comme magistrat Kafou, ni collègue moi, Yuri Chevry, comme magistrat Port-au-Prince, ni
la police, direction générale de la police, tout le monde qui est concerné par la sécurité dans le pays, la sécurité publique, nous pas d'accord que mon kafou continue à être victime par rapport à la passivité de l'État, par rapport à monde qui n'a pouvoir, monde qui a moyen, qui dans le secteur privé, qui n'a complicité, qui n'a pas résolu ce problème. Nous recevons en correspondance de la part d'un groupe de notables kafou, organisations communautaires, comités de quartier, associations professionnelles, militants politiques, eh bien, ils ont décidé jeudi 29 pour faire un sit-in devant la marine. Pour crier contre l'insécurité sous Matissan qui a dépafini avec Carrefour, qui a dépafini avec Moun, qui a traversé, qui parle dans le Grand Sud là. Nous exprimons solidarité dans le mouvement ça et nous disons appui mairie déjà là pour nous mettre à disposition, faire la police accompagner, faire pompier mairie accompagner, faire toute sa mairie accompagner pour faire un bon bagage sans débrosage, sans blocage. Voilà, c'est magistrat Kafoua, président finalement, Jude-Édouard Pierre, dans conférence pour la presse là tout, il a annoncé la mort ancien magistrat Katy Morin, Jean-Éric Béliard. Magistrat Jean-Éric Béliard, c'est le maire principal de la commune de Katy Morin. Après une maladie qu'il a souffert pendant quelques mois, en tumeur. Il était fait opération dans l'hôpital Saint-Domingue. Un mois après, matin, nous recevons une mauvaise nouvelle ça, qui dit que le magistrat mourit. Dans l'occasion de ça, tout le comité exécutif, finalement, nous, par organe, nous avons sympathisé avec toute famille, magistrat Béliard, toute population Katimorien et toute communauté mère en Haïti, je dis, qui touchait toute famille, les amis qui touchaient par des pas prématurés. On va annoncer nous tout que. Ça fait 10e collègue que nous perdu dans mandature ça et nous espérons que ça va finir. Je disais par l'autre magistrat pas mourir encore pendant mandat ça. Nous annoncé sous peu date funérailles en collaboration avec Amnor et Famili et ministre intégué parce que son maire qui mourir, il soit habité l'état vis-à-vis de ça. N'a pas de planification yo que n'a fait conjointement capable annoncer et qui ça qu'a fait funérailles là et qui date. Avec TPTC et PNH, un ensemble de travaux qui déjà programmé, qui nous déjà lancé, nous avons programmé tout pendant fin juin. C'est au profilage toute route nationale là, de Fontamara 43 jusqu'à Bojuvena. Et travaux nous avons fait actuellement sur route des rails là pour nous assurer que la circulation fluide pendant l'entrée des classes qui prévoit pour le 9. Après ça qui passe en bas la ville là, toute marche en bas la ville là fermée, toute marche en vini dans une série de points carrefour. Nous planifier opération de localisation, déplacement à Nzayo. Nous devons d'abord communiquer avec vous, informer que côté devant l'église Saint-Charles, côté devant l'église Morija, côté sur toute route Kafou là, dans Kafou Marianian, donc le pape Carité, soit vous déplacez pour Koyo, ou du moins ce week-end, la mairie de Kafou, conjointement avec support et la police, pour procéder à déplacement yo, parce que. Ça crée un pile fatra, ça bloque la circulation et élève pas qu'à rentrer comme ça. On a continué tout projet sur des rails jusqu'à Carrefour Magani, mais on a demandé tout transporteur, chauffeur taxi, chauffeur camionnette, APCH, pour comprendre le travail mairie à faire et demander à partir de week-end ça, pour avoir une station qui ni devant l'église Inch'Allah, ni dans Carrefour Magani. Magistrat Jude-Édouard Pierre, toujours dans conférence pour la presse, magistrat Kafoua, président Fenamnan, annoncé qu'il pourrait porter plainte à la justice contre Terminal Toa, et qui, d'après lui-même, refusait contribuer comme ça droit pour la redevance fiscale pour mairie. Action ça doit permettre et mairie bénéficiant à faire de plusieurs milliers de goudes. Plusieurs millions peut-être sous chaque millier, sous chaque barrique produit pétrole, terminal l'en recevoir. Et selon et magistrat Jude-Édouard Pierre, n'attendez magistrat Kafouan, président Fenamnan, Jude-Édouard Pierre, toujours en conférence pour la presse, à côté Robinson Henry, t'es présent pour Radio Kiskeya. Mais il faut la faire, dans l'argent, nous prêter pour faire projet dans la ville là. Nous commençons à identifier ensemble de contribuables qui ne vont jamais payer, de contribuables qui doivent vivre là. Mais bon, c'est des textes légaux qui ne pas permettent que vous payer. L'un de l'arrivée pour payer, vous contournez, vous changez nos entreprises et vous pouvez bénéficier même privilège. Dans un cas particulier, je dis officiellement à Plancil,
une véritable offensive contre BMPAD qui en charge de questions gaz dans le pays. Il y a des compagnies terminales sur le terrain là. Et bien, je dis à monsieur, dame, si nous faisons une visite guidée dans la compagnie ça, sur la là, là, c'est crier, n'a crier. Il y a une compagnie, il y a une ONG allemande qui font une étude. Il dit que pour t'amener un petit poisson qui va vivre sous le bébé à travers le littoral là, il faut que tu fermes ce site ça. Et c'est 50 ans après, si vous bien fait le traitement, vous êtes capable de possibilité la vie marine pour poisson, pour t'amener un petit pied bois, tu es capable de germer dans la zone là. C'est un véritable désastre écologique, c'est une véritable catastrophe pour la ville là, alors que nous avons 4% de revenus. Sous base ça, depuis environ un an maintenant, pour parler avec le pouvoir central, pour nous dire que, avant longtemps, nous avons à travers Méria et le bureau de député, nous avons pour nous lancer l'offensive ça. Mais la crise politique là, a empêché que ça fête. Je dis à, officiellement, nous dit que nous allons porter plainte. Et peut-être une action en justice contre les compagnies et solliciter 10 gouttes sous chaque baril de produits, soit mazout, soit diesel, soit gasoline, qui débarquaient dans le terminal Torla sous Carrefour. Voilà, c'est magistrat Jude Edouard Pierre dans la conférence pour la presse. Et je dis à sous plusieurs points, question sécurité. Commune Carrefour, nous connaissons une première victime climat et sécurité qui gagne dans Matissan. Mais tout l'aller bien loin, entrer dans le sud-est, il prend reste l'ouest là, et NIP, et sud Gredos, et ça n'a pas dit vraiment rien. Et il parle tout et de problème taxe avec terminal Tor là, terminal les côtés gain égo et capacité pour recevoir pétrole. Et puis une autre part, il parle nous de disparition Jean-Éric Béliard, magistrat quartier Morin, qui mourit dans l'hôpital dans la République dominicaine. Et c'était Robinson Henry qui était présent pour Radio Kiskeya. L'autre coupé en actualité internationale là a mené dans le pays la France qui a préparé là pour G7 dans finissement et ce maintenant côté jeudi à Boris Johnson et qui c'est nouveau premier ministre britannique là qui fait premier pal sur continent européen pour elle divorcer avec dans mois octobre qui a venu là dit ouais power depuis Brexit l'an passé dans finissement mois octobre là pas gagne affaire citoyen européen à monter descendre Jean Ouvlé dans Angleterre encore dans Grande-Bretagne. Boris Johnson qui t'a rencontré hier avec Angela Merkel qui t'a montré il gagne en pile ouverture par rapport à nouveau premier ministre là il était craint rencontre li avec Emmanuel Macron qui un peu son bit pour me faire pas dans ça qui concernait et négociation dans Brexit là. Cependant, leur paraître devant la presse, il était montré, il était pit douce et rencontre là que monde te pensait sur question Brexit là. Il a affirmé tout l'aide de volonté pour rejoindre un accord pour c'est dans l'ordre Royaume-Uni quitter l'Union européenne dans mois octobre qui a venu là. Et président français a dit possible pour yo capable entendre parce que ça que européen pas vle faut pour pas gon frontière physique qui existait entre Irlande du Nord qui fait partie de Royaume-Uni et République d'Irlande même si et qui fait partie de même de Union européenne même si président français a réaffirmé ça c'est une ligne jaune que yo pas doit franchir moi vle pour gagner un accord. C'est sa premier ministre britannique là déclaré l'aile rivée dans la cour Élysée qui se palais présidentiel là pour deuxième étape premier tournée dans pays étranger depuis le rivé comme premier ministre dans place Theresa May nous connaît qui coulait à cause de dossier Brexit là et dans finissement mois juillet et qui pral participer dans G7 ça les grands alliés qui a compté sous lui il y aurait le Donald Trump. Moi penser que nous capables de joindre nous accord et même un bon accord pour un Brexit 31 octobre qui a venir là Brexit ça veut dire il a sorti dans l'Union européenne. D'après ça, Boris Johnson, qui est totalement imprévisible, même Jean avec Donald Trump, insistait pour le dire. Bon côté parle, Emmanuel Macron te montré le pipoui d'or, mais il déclarait qu'il a confiance, il a besoin d'une solution et entre toute partie qui concerne un mois qui a venu là, entre Londres, qui est donc Grande-Bretagne, avec 27, puisque Grande-Bretagne a quitté, était 28 membres de l'Union européenne. Gain. Mais au fond, moi insister, je voulais très clair, d'après ça, le président français a dit, dans moi qui a venu là, nous pas prêts à jouer nous accord tout neuf concernant qui j'ai Grande-Bretagne pour quitter
Union européenne concernant base à quoi même d'après ça insister pour le dire en même temps tout le vent pinga il a fait référence à tout dispositif qui prend concernant frontière entre Irlande du Nord qui fait partie de Royaume-Uni avec République Irlande là qui lui-même membre Union européenne et qui pas de frontière qui existait entre eux et ces points de blocage en deux parties. Avec confiance que tous deux responsables affichés, président français a placé dans la même ligne et avec chancelière allemande Angela Merkel qui toujours montre le plus compréhensif et l'elle t'a recevoir Johnson hier yeah. Mais il dit que le possible tout n'est pas quoi dans 30 jours il a privé fait ça pas privé fait pendant plus que 30 mois il y a un accord pour éviter un Brexit dur et que tout le secteur business n'en peur et de côté la manche qui séparait la France avec Royaume-Uni. Faut que nous dit tout, il y a parlé de possibilité, il y a pénurie, il y a des produits qui ne va pas joindre commerce au détail là et il pas de faire bon affaire pendant mois juillet qui s'est passé là. Maintenant question de pénurie, vous avez dit manquer une série de produits, la France tout a fait face à un paquet de médicaments, il y a pas qu'à joindre en France depuis quelque temps. La folle a campé. Tranche journal